Bonjour, bien entendu. Je vous parle de la VAE, la validation acquis de l'expérience. Qu'attend le jury du candidat dans un processus de VAE? J'aimerais faire référence à Monsieur Alex Lenné, qui est un spécialiste de la VAE, qui disait lors d'une conférence que le cœur de la VAE est composé des expériences plus fines qui permettent de construire une expérience globale du candidat. Comment le candidat pense avoir au cours de son parcours construit son expérience globale? Le jury attend que le candidat soit capable de formuler, d'écrire et d'analyser dans des termes qui sont susceptibles de le convaincre que les compétences du circulaire du diplôme visé ont été acquises grâce à l'expérience du travail. Quel est le projet de formation qui est poursuivi? Comment ces projets sont en cohérence avec ce que le candidat a dit au préalable dans son parcours de construction d'expérience? Et comment il y a cohérence entre le parcours d'expérience, le projet de formation et le projet professionnel que vous poursuivez le candidat? Avez-vous exercé les compétences demandées? Dans quel poste? Quel enseignement en avez-vous retiré? Dans la partie orale, le jury attend que le candidat soit capable d'éclaircir les points obscurs ou non abordés dans la partie écrite de ces VAE. En quelque sorte, le candidat doit expliquer dans les moindres détails tout ce qu'il a fait. Ça, c'est en quelque sorte ce que le jury attend.